Bonjour YouTube, on est sur Delevelid, un jeu tout petit, tout mignon, qui est à 8,19€ sur Steam, et en ce moment il a moins 20%, il a 6,55€, et il a été fait par deux personnes, par Kyle et par Patrick. Il est magnifique, ce petit... Non, je sais pas du tout ce que c'est en fait comme jeu, je sais juste que c'est un casse-tête, on va dire, que c'est un jeu qui va me broyer le cerveau, et petite chose à noter, c'est que c'est Quantum Astrophysics Guild, l'éditeur, qui m'a donné une clé pour que je vous montre le jeu, pour que je teste le jeu, et pour que je dise ce que j'en pense les gens, voilà. Petit jeu, ouais, qui est assez original, d'après ce que j'ai vu. Par contre, j'ai pas trop compris comment ça se joue, mais ça peut être sympa. On va voir ça ensemble, on va découvrir ça ensemble. Alors, on va commencer par le level 1, hein, parce qu'on est des fous. Level 1. Alors, déplacement. Ok. Alors, je déplace celui qui est en haut et celui qui est en bas, hein. Là, je fais droite-gauche uniquement. Qu'est-ce qui va se passer si je l'amène dans le bleu? Ok. Le bleu m'a fait sauter. Ah! Ah! C'est pas moi qui l'ai fait sauter. En fait, c'est quand le cube du haut atteint la ligne, il fait sauter l'autre. Ok. Yes. Ok, donc du coup, je vais utiliser ça pour faire passer au fur et à mesure les levels. Ok. Yes. Pour l'instant c'est facile, je maîtrise des gens. Ah, il y a des pics, j'aime pas ça. Yes, trop fort je suis. Ouh. Ah, on va recommencer. J'ai pas pigé là. Ok, faut le faire sauter comme ça. Ah d'accord. En fait, faut que j'évite le bloc, parce que le bloc réduit le saut, a priori. Ok, je rappelle, c'est pas moi qui contrôle le saut. Yes, ça marche. Ah. Mais non, j'ai décalé. Merde. On commence. En fait, j'ai tapé dans le bord et du coup, ça a décalé les deux. Hop. Yes. Oh, nice, on décale en fait, on utilise la surface pour les décaler, d'accord. C'est quoi des trucs verts comme ça? Hein? Oh, en deux parties en fait, d'accord. C'était en deux parties le level. Ah, c'est chaud là par contre. Perdu. Ok, faut activer les deux. Ça passe. Yes. Yes. C'est sympa pour l'instant. C'est pas trop compliqué, mais je pense qu'il y a des levels très compliqués qui vont arriver. Et déjà, on voit la complication qui apparaît déjà sous nos yeux, vu ce que ça nous propose.
Truc que je piche pas là, mais en fait, le premier était dur, mais les autres étaient salés. Enfin, je dis ça, mais maintenant ça va être de la merde, quoi. Ça, c'est fait. Oh, le petit boss qui fait le cube, ça fait toujours peur. Alors là, par contre... Comment je fais ça, moi? Mais what the fuck? Le problème c'est que je peux faire passer celui du haut de l'autre côté, et après ils vont plus rebondir, donc du coup j'arriverai pas jusque l'autre du bout. Donc du coup faut que je fasse un trick, attendez. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Attendez, je réfléchis dans ma tête. Hein. Non mais je peux le faire en fait, je peux le faire. C'est juste qu'il faut que je refasse le truc, je pense. Sur le dernier, on pouvait réactiver les trucs. Le dernier, faut que je l'associe avec qui? C'est ça le truc, en fait. Ça marche pas si je fais ça, en fait. Est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça, sauf que là je suis mal parti parce que j'ai fait deux du même côté. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire, attendez. Faut que je fasse le premier, on va recommencer le niveau. C'est une québécoise. On va faire par le premier. Voilà, comme ça on va pouvoir faire. On va là. Voilà, comme ça on a fait les deux premiers. Fait.
Du coup, celui-ci, il faut que je le laisse là. C'est l'autre qu'il faut que j'aille. Ok. Ah, mais c'est compliqué, ça. Attendez. C'est là qu'il faut que je le fasse, je pense. Comme ça. Comme ça. Et du coup, je peux aller le faire. Merde. Ok. Du coup, on recommence. Easy. Ouais, trop fort, t'as vu ça un peu? Ah là, c'est easy, merde. Là, je préfère parce que c'est plus sur de... sur comment résoudre l'énigme plutôt que sur du de la plateforme, ça je préfère. Ah mais elle est bien la musique. Moi ça va, ça m'énerve pas trop. Il y a des trucs que je biche pas trop là, mais c'est pas grave. Ok, ça marche pas ça. Ok, si je fais ça. Yes. Ah, je vais pas aller par là du coup. Merde. Merde, merde, merde. Merde, merde, merde. Oh. C'est inversé, mais c'est pas grave, il y a l'idée. C'est pas du tout dans le bon sens, mais il y a l'idée. Il y a l'idée, il y a l'idée, il y a l'idée. Et décalé sur ah, c'est énervant ça. Merde. Merde. Oh. Ah mais je peux pas passer de l'autre côté. Ah, je peux faire ça. Ça sert à rien, mais je l'ai fait, c'est cool. Donc ça je peux faire. Ok. On avance, on avance, on avance, on a des moves. Oh. Bah non. Attends. Ouais, mais je suis... En fait tu peux en passer qu'un. C'est ça qui est chiant. Par contre, je peux faire ça. Attends. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Faut que je fasse comme ça. Oh. Oh. Ça ne sert à rien, mais il y avait de l'idée. Ah, je sais à quoi ça sert ce jump là. Ok. À faire ça. C'est ça que ça sert.
Eh ben, il est bien, YouTube. Il est bien. On est arrivé qu'au level 4. On a mis quasiment 4 heures pour arriver jusqu'au level 4. On n'a pas tout fini. C'est compliqué. C'est difficile. C'est des vraies énigmes avec parfois un petit peu de plateforme. Il faut être synchro. Il faut réussir à être synchro. Mais franchement, on n'a même pas fait la moitié du jeu. Pour 8,20€. 8,19€ exactement le prix fort et à 20% à l'heure actuelle là, mais franchement un petit jeu fait par deux personnes, super addictif, parce que franchement on a envie de savoir, de réussir à faire le petit level à chaque fois, et mais pas facile du tout, et quand même super original dans le concept. C'était vachement sympa, moi je dis que ça vaut le coup, surtout vu que le prix franchement il est franchement pas cher. Donc n'hésitez pas les gens, si jamais vous avez envie de vous payer un petit casse-tête, n'hésitez pas à vous payer Allez, sur ce, YouTube, n'hésite pas à mettre le petit pouce, à dire ce que t'as pensé du jeu dans les commentaires. Et puis, à plus, YouTube, porte-toi bien, fais attention à toi. Allez, ciao, YouTube.